que pourrait représenter Wakafoubien pour retenir le laboratoire de théâtre des Yaoundé? Peut-être rien, puisque ce n'est qu'en des occasions assez particulières et professionnelles qu'on l'a vu dans ces murs, occupé comme il était à insuffler la flamme du théâtre dans l'atmosphère de professeur. Metteur en scène et directeur artistique de ce lieu, nous avons commencé par être comédien. Pour ceux qui ne savent pas, en 1990, nous commençons notre formation, non pas dans un conservatoire ou dans une quelconque école d'art dramatique, à l'époque inexistante. Nous la commençons par des formations pratiques qu'on recevait en intégrant une troupe de théâtre. Partant du théâtre indépendant des Pères Mandiakoua, nous avons rejoint le théâtre école à la base de théâtre dirigé par François Pigono. Je me souviens alors en belle après-midi de juin 1992, jour de l'audition qui s'est déroulée. Je crains que ça ne soit pas possible. Tu veux voir? Je répondais, je ne vois pas. Je voyais bien que ça gênait les gens de dire, je ne vois pas. J'avais même du mépris pour des gens qui connaissaient le plaisir de planer dans les vapeurs. Aujourd'hui, je suis dans le plus célèbre siècle. Santé pour tous. Santé pour tous, c'est le slogan du peuple. Grâce à Santé pour tous, la santé va changer chez n'importe qui. Chacun regarde de chacun. Tout le monde favorise tout le monde. Chacun escroque tout le monde. Et tout... dans les 224 livres. Il ne parle aucune autre langue que la sienne, mais... Pas n'importe comment, parce que tu n'es pas d'eux. Eux, ce sont des pauvres mortels, avec leurs envies insatiables, leurs attachements voraces au périssable. Parce qu'un artiste de ta trempe ne se nourrit pas du monde, il se nourrit d'ambroisie et de nectar divin. Puisque tu n'étais pas n'importe qui, raison pour laquelle je ne suis pas venu n'importe comment t'offrir mon amour le plus incandescent. Le dramaturge du Cameroun, j'ai la chance que ma tante Issa est là, c'est lui qui a justement écrit la préface de tous les deux livres. Martin. Oui, merci. C'est un honneur. Donc, Dewako aussi, il a justement écrit le retour dans ce texte. Partir n'est pas une tasse de thé. Amer ou sucré, c'est pas une question. Partir n'est pas ce que je suis venu faire ici. Je ne suis pas encore venu. Partir est un couteau qui coupe les légumes de notre sous-développement. Les uns et les autres sauront pourquoi
Voilà. Je ne sais pas si je suis aussi bon compteur que Delphin. Monsieur, cette fois-ci, se sont cachés deux petits hommes. Deux petites hommes. Quand je dis devient un grand monsieur, j'ai bien nommé Wake. Wake Fugain. Donc, j'ai fini même pas oublié le prénom. On avait telle mémoire. Ma mémoire est le musée de nos traditions pensées et forgées par nos ancêtres depuis des millénaires, relayées de génération en génération. Ma bouche, la vitrine où s'exposent les arcs-boucs de fermement, les trésors tenaces de notre patrimoine immatériel. La nécessité, je ne vois que nous, vous mes semblables, translucides jusqu'au monde atome. Que de pages et de pagnes aient feuilletées pour espérer posséder la lumière. Que de muscles bandés, de sueurs versées, de postures adoptées. En vérité, je vous le dis. Point de rituel pour décrypter les manuscrits de la nuit. Après une commission rogatoire insolite de l'autopsie conjointe du sommeil et celle de l'ADN de l'Éden, révèle des similitudes. Dépose ses lunettes sur la table et se dirige vers la fenêtre en parlant au jeune homme resté immobile, dos contre le mur. Monsieur, de quel droit vous brisez la vitre de cette fenêtre? N'avez-vous pas de montre pour savoir qu'il est 10 heures? Le jeune homme toujours immobile ne répond pas. Je vous écoute. Maintenant, regarde avec attention les dégâts. Après un moment, il se lève, regarde l'horloge, se tourne vers le jeune homme. Je vous écoute. Le jeune homme se battant la tête. C'est moi qui vous écoute. Mais une femme, c'est elle qui a oublié que vous devez être là. Ah, monsieur Maître. Elle savait que je venais. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas chez le dernier des idiots. Le jeune homme un peu bouleversé se lève. Écoutez, monsieur. C'est vous qui allez m'écouter. Si vous croyez que ça me gêne que vous soyez la mère de ma femme, désillusionnez-vous. Vous êtes un malade. Depuis longtemps, elle vous l'a dit. Ah, mes petits amis, devise entre à calamite et riche sa formule. Vocalise le sorénès qui dure souterrain dans la coque des escargots. Comme vaut cette euphonie des mollusques sous cryptes atterrés, comme vaut cette sarabande des rhizomes et racines brisées, comme vaut cette antienne en combine avec les rapines du sous-sol, que me veut ce volo? Jamais d'union les mains vides. C'était comme ça. Les sorciers épris de jalousie ont décidé de siéger. Aussitôt dit,
les sorciers vinrent dans la nuit. L'esprit des morts, les habite. Oui, l'esprit des morts. Oui, l'esprit des morts. Oui, l'esprit des morts. 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 Les habite. Aïe. Que on va faire, on va partager
un peu la parole. Interaction. Vous êtes là parce que je suis là. Je suis là parce que vous êtes là. Et on se partage la parole. Et je vais vous demander tout simplement une petite activité. Il est là. Éric est là. Monsieur, monsieur, si ce n'est pas correct, si ce n'est pas correct, tu vas le traduire ici. Vous allez tout simplement dire, répondre. Oh, mais diable, mange l'eau. C'est tout. C'est simplement. C'est plus difficile, que l'hymne national, non? Comment? Bon, on va essayer de voir si vous avez bien entendu, ou bien si vous avez bien maîtrisé ce que j'ai dit là. Quand je dis non, que vous dites tout simplement, oh, mais diable, que mange l'eau. Ça chante faux là. Ça chante faux. Hey, la professionnelle là. Il faut régler. Voilà. Sinon ça va déjà. Seul le voleur dissimule sa maison. Le vendeur du chien dit que son chien attrape même les perruviers. Le chien a quatre pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Le chat est propre. Très très propre. Je n'ai jamais vu un animal aussi propre. Mais je n'ai jamais vu un chat laver la souris avant de la manger. Insulte bien le chien. Moque-toi bien de lui. Mais regardez quand même qu'il a des dents blanches. Si tu étends une vieille femme sur sa natte, tu dois plus reculer dans le lit de sa peau. Le sourire de la femme infidèle appartient à son amant, son cadavre à son mari. Les opinions sont comme des testicules, chacun a les siens. Si tu as l'habitude de boire du vin, il faut aussi apprendre à boire de l'eau. La fille au teint clair ne se rend à l'évidence de sa mort que 3 jours après ton enterrement. Le sourire enrichit celui qui le reçoit, mais n'appauvrit pas celui qui le donne. Si l'éléphant a pas la noix de coco, c'est qu'il a confiance en son anus. La main qui va souvent vers l'anus finit par porter des excréments. Si vous voyez mon dos, c'est que mon ventre est devant. Je m'incline encore devant cet artiste. Merci. Allô,
Et de tous ceux qui ont voulu participer à l'organisation de cet hommage rendu à notre père, cher et ami Wako Fogain. Sur ce, nous espérons et nous savons que vous trouverez Holly dans la paix et la sérénité. Merci.